Myriam El Khomri a tranché, accusée d'avoir arraché la chemise du directeur des ressources humaines d'Air France, Vincent Martinez, doit être licenciée. La ministre du Travail l'a annoncé dans un communiqué. À l'issue d'une analyse longue et minutieuse des faits survenus le 5 octobre 2015, il ressort que la faute reprochée est d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié protégé. Une décision qui vient contredire celle de l'inspection du travail. En janvier dernier, elle avait refusé le licenciement pour faute lourde du représentant CGT. Vincent Martinez avait alors été réintégré à son poste. Le syndicat se dit aujourd'hui scandalisé. On est extrêmement scandalisé de cette décision d'aller à l'encontre de l'inspection du travail. Toujours est-il, c'est que les preuves que soi-disant peut apporter le ministère ne sont pas forcément avérées. Et nous, de toute façon, on va tout faire pour intégrer Vincent Martinez d'entreprise Air France. Vincent Martinez peut encore former un recours devant le tribunal administratif. Son nom vient ainsi rejoindre ceux des 4 autres salariés déjà licenciés. Tous devront répondre de violences en réunion les 27 et 28 septembre devant le tribunal correctionnel de Bobigny.